essayer de résumer une situation qui est complexe hein, en quelques mots. Vous dire que en archéologie, pour le service public, hein, c'est-à-dire les SRA, les services régionaux d'archéologie et l'établissement public national, l'INRAP, ça fait 3 ans que l'intersyndicale archéo a pour mot d'ordre salaire, emploi et respect. Et qu'on n'a toujours pas changé de mot d'ordre, hein, parce que pour l'instant, il reste d'actualité malheureusement. Ça fait trois ans que les archéos réclament une inspection des services RH du siège de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, où la brutalité du management, les graves dysfonctionnements nécrosent les circuits de décision et conduisent à une vague de démissions sans précédent chez les administratifs et chez les opérationnels en région, parce que les managements dégradent les fonctionnements, les chaînes opératoires et dépossèdent les agents du sens même de leur mission. Malgré 3 demandes d'inspection adressées à la ministre par les représentants du personnel, et après 2 interruptions de plus d'un an des instances centrales et du dialogue social, marquées par de nombreuses réunions de conciliation, rien ne change. Cette situation satisfait visiblement le ministère qui travaille dans le plus grand secret à une reconduction de l'actuelle direction pour 3 à 5 ans de plus, nécessitant pour ce faire une modification du code du patrimoine assez souterraine. Que faut-il pour être entendu ? Le ministère traite la violence institutionnelle comme un cas de violence domestique, on ferme portes, fenêtres et rideaux, et on compte sur la résilience des agents pour survivre. Le sacro-saint principe d'autonomie de gestion des établissements ne doit pas être une licence pour s'essuyer les pieds sur les personnels et s'affranchir des cadres réglementaires. Le respect n'est pas une option. Nous exigeons un changement total de gouvernance de l'Institut pour sortir des managements toxiques dans lesquels les agents d'établissement s'asphyxient depuis des années. En matière de revalorisation salariale aussi, rien n'est clair. Après avoir emporté une revalorisation sur 3 ans, débutée en 2022 et formalisée par un protocole d'accord, on attend toujours la reprise de la concertation sur les étapes de revalorisation pour 2023 et 2024. Le ministère ne donne aucun signe de vie. La deuxième étape de concertation porte notamment sur une amélioration de la rémunération indiciaire des grilles qui n'ont pas été révisées depuis 2002. Et ce qui provoque aujourd'hui, pardon, le vent, période pendant laquelle, donc depuis 2002, hein, période pendant laquelle les agents ont perdu 500 euros net mensuels par rapport au corps de recherche équivalent du ministère. On a l'insigne honneur d'être les grilles les plus basses du ministère et je crains que ça persiste encore. Enfin, le dernier point de la revendication, celui qui est fondamental et qui réunit les agents de l'établissement national et les agents des services régionaux de l'archéologie, c'est celui de l'emploi et du renouvellement des effectifs et des compétences. Donc, je le disais, à l'INRAP, comme dans les services régionaux, où la première génération d'archéologues préventifs professionnels est en train de partir en retraite sans qu'aucune planification ne soit envisagée ou mise en place. Pire, à l'INRAP, la réduction brutale du plafond d'emploi en 2020 nous empêche aujourd'hui d'embaucher pour répondre à une activité hyper élevée. Donc, même nos missions sont compromises. Nous exigeons un plan d'action pluriannuel urgent sur l'emploi pour assurer la transition générationnelle et la transmission des compétences, mais aussi pour résorber la précarité, très importante. Il faut des cycles de recrutement et de promotion annuels, il faut des concours réguliers dans les SRA pour permettre la promotion des agents, la revitalisation des corps de recherche et la simple réalisation des missions dans des conditions normales. Le chantier emploi en archéologie est prioritaire et constitue aujourd'hui une question de survie pour tout le dispositif d'archéologie préventive. Bravo! Bravo!